coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette nuit ça s'est pas mal passé, franchement ça a pas été une nuit très très compliquée, juste elle s'est couchée à 19h, après elle s'est réveillée à 2h du mat, donc non elle a mangé d'abord à 23h et après elle s'est réveillée à 2h, donc à 23h elle s'est rendormie direct en mangeant. Et à 2h du matin, quand elle s'est réveillée, plus impossible de s'endormir pour elle. Elle était gênée au niveau du ventre. Et après, elle m'a fait un peu la java pendant 2h. Donc de 2h à 4h, c'était l'angoisse. Et plus impossible de la poser dans son lit, donc j'ai dû la prendre. Et elle a dormi avec nous, et plus précisément sur moi, puisqu'elle était gênée au ventre. Donc impossible de la poser dans son lit. Et à partir de 3-4h du matin... Je sais pas pourquoi, mais Georgia ne veut plus aller dans son lit parce qu'elle a sûrement mal quelque part. Voilà. Donc, c'est tout le temps ça. Et bah voilà, elle s'est réveillée. Elle a fait une mini micro-sieste. À mon avis, elle va pas tarder à y retourner. Aujourd'hui, on va se balader. Voilà, on va manger au resto et on va promener avec la poussette. Ça fait un petit moment là qu'on n'est pas... qu'on n'a pas bougé avec Georgia, enfin si, on sort quand même souvent, mais grosse balade et tout, ça fait un moment. Et demain, on va faire des magasins parce qu'on a un cadeau d'anniversaire à acheter. Et il faut que je lui prenne quelques petits fringues en 9 mois. Parce que tout ce que je lui ai pris, c'est du 12 mois pour cet hiver. Et là, pour l'automne, j'ai pas grand-chose qui a sa taille. Ça, par exemple, c'est du 9 mois et ça lui va nickel. Regardez, orchestra. Il y a juste un peu la veste, mais le 6 mois, ça commence à être petit, donc je préfère que ça soit un peu plus grand plutôt que trop petit. Bonjour, concours de boule numéro 38. On est reparti, on a changé, on jouait Gaïs, regardez comme il est beau. Voilà, il y a 200 équipes dans ce concours. Voilà, on va essayer de gagner. Bonjour. Bonjour à vous tous, bonjour Écorce. Bonjour, j'ai perdu ma voix sous la clim. Changement de joueur avec mon ami Gaïs. On est là pour un découvre. Allez, c'est bon. Il y a la tête que j'ai sur moi. Comme il est bien là. Qu'est-ce que tu fais, nounours, ton casse-croûte, moi? Je vais goûter la tombe, ce figatelle. C'est un régal, hein. C'est la belle vie, hein, gros. On va à Aix, en Provence, pour balader. Et finalement, on voulait aller sur un port pour balader, mais je me suis dit que le port, c'est genre quand tu vas sur un port, tu restes pas longtemps à balader, alors qu'à Aix, il y a vraiment plein de petites rues mignonnes, donc du coup, on va se faire ça, un petit resto, et puis après, on rentrera à la maison. Ça y est, on est arrivé. Regardez dans quel état elle m'a mis mon pull. Tu arrêtes. T'es coquine, toi. T'es coquine, hein. T'es coquine. On mange sa petite purée. Mon amour. Bon, maman, elle a pas pris de petit chapeau. Du coup... on fait comme on peut. Et voilà. Kikinette. Qu'est-ce que c'est bien avec Aix-en-Provence pour balader. La puce, elle promène son iPhone. Hein. Voilà. Mon fils. Mon cœur, il veut me faire un tatouage. Un beau, s'il te plaît, un beau. Un cœur ou un cul? Oh! Oh! Excusez-moi, monsieur, vous voulez une dédicace aussi? Non. Toi, tu es où? Il est où, toi? Daniel, tu as fait aussi? Mais comme il est beau, en bague. Oh! Il faut voir le tien? Oh!
petit restaurant après la glace. C'est important de se faire un bon resto après la glace. Ah, je vais me régaler. On est chez lui le week-end prochain. On est chez lui le week-end prochain. Ce soir à l'OM. C'est bien les vacances. Bon les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je me suis refait un bon pansement là, parce que c'est très dur à cicatriser encore. Donc voilà, aujourd'hui c'était une très bonne journée, on a bien profité. Et demain on va refaire quelques petits magasins pour trouver un cadeau d'anniversaire. Et je sais plus ce que je devais prendre aussi. Je sais pas. Donc voilà, en tout cas je vais avoir trop de sourire aujourd'hui parce que du coup j'en ai profité pour profiter avec Georgia et ma copine. Et demain je suis trop contente parce qu'il y a Paga qui rentre. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ça sera ma dernière story de ce soir puisque j'ai envie de couper un petit peu. Et je vous dis à demain. Et gros bisous et bon courage pour la semaine qui arrive. Don't